Donc, bonjour à tous et bienvenue au plaisir de lire présenté par Belle. Aujourd'hui, on est à l'école Baluchon à Laval et on va avoir beaucoup de plaisir. Et le plaisir de lire avec Belle, c'est un lien avec la communauté. C'est d'amener la lecture avec le sport, essayer de faire des liens entre tout ça. La visite des joueurs du racket aujourd'hui est un grand événement à notre école. On ne se le cachera pas, pour les jeunes, les sportifs, ce sont bien souvent leurs idoles, quel que soit le sport. D'avoir eu l'occasion de jouer avec eux au hockey, ils vont aussi s'être fait lire une histoire. Alors, on peut voir que sport et lecture ne sont pas incompatibles. C'est important pour moi de m'impliquer dans la communauté pour plusieurs bonnes raisons, mais je pense qu'en partant, c'est bon de redonner aux plus jeunes surtout. Je pense que c'est encore une fois une bonne cause, le plaisir de lire. Ça fait des années que je fais partie de ça. Il y a plusieurs bienfaits de la lecture chez les jeunes. Alors, ça leur permet d'améliorer leur vocabulaire, de l'enrichir. Également, ils peuvent développer leur imagination en se faisant des images sur ce que l'auteur voulait leur dire ou veut leur faire découvrir. Et ça leur permet aussi de développer leur concentration. En ce moment, la lecture, c'est encore important dans ma vie, probablement, à cause j'accorde des cours à l'université. Je pense vraiment que ça sépare un peu le hockey puis la vie de tous les jours. Quand tu viens à lire, tu te relaxes un peu, ça change les idées. Tu peux un peu voyager dans différents univers. Donc, je pense que ça permet de vraiment de changer les idées puis de laisser un peu de côté le hockey puis de concentrer à d'autres choses. Il est inévitable qu'on va se mettre à lire. On lit une belle histoire qui est le plus beau numéro du monde. Je sais que ça crée beaucoup d'intérêt chez les enfants. Et ça les amène à réfléchir aussi. Ben oui, parce que c'est aussi ça, la lecture. Ben oui, ils rencontrent des joueurs de hockey, ils se font lire une histoire. Mais certains ont le bonheur de pouvoir participer à une partie de hockey. Ce moment-là, c'est un moment tellement de gloire, un moment où ils sont tellement heureux, où on sent bien sûr que tous les élèves autour se mettent à les applaudir, ils sont là avec eux. Et puis encore là, le sentiment d'appartenance est tellement installé que ça ne peut pas faire autrement que de créer un souvenir dont ils vont toujours se rappeler.